Reviens, homme. Quelle heure fait-il? Je veux voir. Oh, garçon. 23 heures? Bon sang, garçon. T'as essayé de me dépasser fugitivement parce que je dormais. Comment est-ce que tu peux faire ça? Allez, homme. Oncle, le docteur avait dit que tu dois arrêter de boire. Que signifie tout ça? Écoute, bon, il n'essaie pas de changer de sujet, Alain. Je veux dire, tu sais ce que ça veut dire pour toi. Revenir à 23 heures, ça c'est un grand problème pour toi en haut. Bon sang. Ne dort-elle pas encore? Ah, écoute, je l'ai entendu sangloter et pleurer. Ça m'a fait vraiment paniquer. C'est pourquoi j'ai dû descendre et je t'ai appelé, mais tu n'as jamais décroché. Je n'avais pas décroché parce que je savais pourquoi tu appelais. Comment va le bébé? Alain. Endormi ou en train de pleurer comme d'habitude. Donc, va découvrir toi-même, garçon. Écoute, tu dois te préparer. Je t'ai déjà prévenu, tu sais. Je vais aller dans ma chambre et mourir. Oncle, arrête de dire toutes ces choses. Comment tu dis que tu vas mourir? Tu n'as que 59 ans. Comment tu dis à tout moment que tu vas mourir? Vous, les mariés, dites que nous qui ne sommes pas mariés, nous mourions vite. Et vous, les mariés, vous allez vivre, qu'il sait, éternellement? Bien, ce que je vois ici, entre toi et ta femme, bébé, c'est la maladie des gens mariés. Tu vois ça? Vraiment? Qui est-ce? Garçon. Il doit avoir la tolérance, tu sais, et... L'endurance, tu sais, persévérance, et plus encore la patience et tout ça. Ouais. Si c'est ça, je ne vois rien de bon dans le mariage. Ne me parlez plus du bonheur du mariage, hein? Bon sang! Oh Dieu! Bébé, tu vas bien? Bébé? Bébé, arrête, non? Je sais très bien que je n'aime pas te voir comme ça.
Je suis venu ici au lieu de te voir éveillée, tu commences à pleurer. Donc tu veux dire que je suis en train de prétendre? Ce que j'essaye de dire que tu as eu un problème la nuit, hein? Et est-ce que tu vas bien? Mais pourquoi tu pleures? Bébé, j'ai très faim. Je n'ai rien mangé depuis le matin. Tu m'avais laissée toute seule ici pour aller au boulot. Bébé, tu sais que j'étais allée au travail. Devrais-je sécher mon travail? Je n'ai pas dit ça. Je veux pas seulement que tu me laisses toute seule. Mais l'oncle Jeff est là à la maison. Ton oncle est un idiot. Personne ne l'aime. Voilà pourquoi il ne s'est jamais marié. Voilà pourquoi on l'a refoulé des États-Unis. Qui t'a dit qu'on l'a refoulé des États-Unis? Son séjour a juste pris fin, c'est pourquoi il est rentré au pays. C'est du mensonge. On l'avait refoulé. Avais-tu vu comment est-ce qu'il était rentré? Il n'avait rien emmené. Alors il vit dans cette maison parce que c'est nous qui l'avons toléré. Personne d'autre dans ta famille ne peut jamais l'accepter. La situation de Ononono Maleva est vraie. Tu as raison. Oui. Chérie, j'ai très faim. Peux-tu me faire quelque chose à manger, hein? S'il te plaît. Je devrais te faire quelque chose à manger. Oui. À cette heure de la nuit. Ne dis pas ça, chérie. J'ai faim depuis le matin, depuis que tu m'as laissé ici. S'il te plaît, coupe la viande de mon trois parties, je t'en prie. Hein? Avec le concombre, j'en veux, s'il te plaît. Pourquoi devrais-je faire toutes ces choses à cette heure? Il y a autre chose que je peux facilement te préparer? Chérie, j'ai très faim, j'ai très faim. S'il te plaît. Ok, ok, que je te frie quelque chose, hein? Oui, coupe ça en trois morceaux. Que je le fasse en trois morceaux? Oui, avec le concombre. Oh, ok, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai accepté d'aller frire pour toi les tokens. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi pleures-tu? Hein? Tu ne sais pas pourquoi tu pleures? Je ne sais pas. Chérie, s'il te plaît, dépêche-toi. Ok, ok, ne pleure pas. Ne pleure pas, ok? Je vais aller frire pour toi les tokens. Ne pleure pas. J'arrive. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hein? C'est bon. Ok. Oh, Alain, comment tu vas? Je vais bien. Ah, vraiment? J'ai pu le percevoir depuis le couloir. C'est quoi ça? Je fais à manger pour ma femme. Tout ça? Bébé a dit qu'elle veut 6 morceaux de viande. C'est pourquoi je le fais. C'est ce qu'elle veut cette nuit? Oui. C'est combien de morceaux ça? 6 morceaux. C'est ce dont elle a besoin. Pour bébé? Oui. Waouh! Mais je ne l'ai pas vu venir en bas ou aller en haut. Elle m'a demandé de le faire pour elle. C'est exactement ce que je suis en train de faire. As-tu un autre problème? Tu vois ce que je t'ai dit au sujet des mariés? Tu es devenu si humble et ce que je vois ici est que tu es l'adorateur et elle est la déesse maintenant. Je te l'ai dit. Donc après avoir passé une journée très stressante, te voilà faisant frire du dindon pour ta déesse. Bébé, 6 morceaux pour ton bébé. Oncle, est-ce qu'il y a un problème avec toi si je prépare pour ma femme à minuit? Ce gars, laisse-moi te dire, tu connais le nombre de filles que j'avais fait avec les femmes? Tu le sais, les filles. Tu étais aux États-Unis et tu étais avec moi?
Tu les as vues. Aucune d'elles n'a eu de problème avec moi. Monica, Rihanna, ouais, qui encore, ouais, la fille italienne Clémentine, tu les connais bien, je n'ai jamais eu de problème avec elle. Bravo à toi, après avoir engrossé 15 filles à l'étranger. Ma femme m'a demandé de faire à manger pour elle, il n'y a aucun mal à faire ce que ma femme veut. Je crois que je suis clair, s'il te plaît. Hey, je jure Dieu, je dois aussi goûter à ça. Si ce morceau de viande de dindon gare, c'est bien. Ma femme veut 6 morceaux. Ma femme a besoin de 6 morceaux. Je ne vois pas pourquoi je me mettrais à m'expliquer comme ça. Qu'il pleuve ou neige, je jure Dieu, je dois goûter à ce poulet. Je veux dire à ce dindon. Arrête. Ne me regarde pas comme ça. Arrête, oncle. Arrête, c'est pas intéressant. Arrête. Elle a demandé 6 morceaux et ici, il n'y a que 6. Hein? S'il te plaît. Tu dois prendre un autre plat pour le couvrir. Tu ne peux pas servir ça comme ça. Ah. Oh. Oncle! Tu es le meilleur cuisinier au monde, je jure Dieu. Goûte aussi à ça, tu vas voir. Allez, tu en mérites un. Je t'aime, garde. Vraiment. Merci. Waouh, c'est délicieux. Ah, bon sang, ta nourriture est là. Ah, ça? Non, non. Je ne serai pas Pardon? Ça. Pardon? Je ne veux plus le manger, s'il te plaît. Tu ne penses plus les manger encore? Oui, l'odeur est très piquante. Je vais sentir rassasié. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Tu n'es pas celle qui m'a demandé de préparer ça? Je sais, je suis désolée. Mais je comprends. Mais goûte un peu, non? Non. Je ne peux pas. L'odeur est très piquante. Alain, j'ai demandé 6 morceaux de viande. Mais comment as-tu emmené 5? Et où est le concombre que j'avais demandé? Je ne vois rien. Bébé, qu'est-ce bébé, que c'est, non? Mais il est minuit. Nous n'avons pas de concombre dans notre cuisine. Par rapport au Toki, hein, il y en avait 6. Mais l'oncle a pris un morceau. Hein, essaye quand même de manger, non? Ton oncle idiot a volé mon 6e morceau de viande. Et tu trouves ça normal? Est-il un voleur? Ça veut dire comment ça voulait dire qu'il m'appartient, n'est-ce pas, Alain? D'ailleurs, je ne saurais même plus manger ça. Je ne saurais plus, pardon. Comme il n'y a pas de concombre, il n'y a pas le 6e morceau, je ne saurais plus manger parce que l'odeur est aussi répandue partout ici. Je ne supporte pas. Partout, ça sent le Toki. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça sent le Toki? Mais pourquoi tu es en train de me pourrir des stress comme ça? Non, ce n'est pas ça. Je ne saurais pas seulement manger. Je ne saurais pas. Je sens comme si j'ai envie de vomir même maintenant. S'il te plaît, peux-tu me faire les ignames? S'il te plaît. Bébé, j'ai envie de ça. Je ne saurais plus manger ce que tu as fait. S'il te plaît. S'il te plaît, je sais que je te dérange. T'en prie. Je t'aime. Waouh,
Alain, j'ai percé la Rome depuis le corridor et j'ai décidé de venir voir ce qui se passe. Peut-être quelque chose est en train de brûler. Es-tu en train de préparer quelque chose? Tu ne dors pas? Est-ce que tout va bien? Tu ne dors pas? C'est quoi ça? Non, j'ai percé la Rome depuis chez moi. Et je dormais et puis soudainement, j'ai commencé à sentir la Rome de la nourriture. Oncle! Tu prépares quoi même, gars? Je prépare l'igname pour ma femme. 6 morceaux d'igname encore? Laisse-moi voir. Ragoût! Ah bon? 6 morceaux? Ah, oncle, laisse-moi calmer. Non, ma femme a besoin de l'igname tel que tu le vois. Si ça te dit que je suis occupé, n'essaye même pas de me déranger parce que je te le préviens. Eh, hey, neveu, rien ne va m'empêcher de goûter à ce ragoût. Je jure Dieu. Tu sais, chaque fois que tu cuisines, je suis toujours tenté à y goûter. Peu importe ce que tu diras, je te donnerai pas cette igname, ok? Laisse-moi prendre une assiette. Non, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Au fait, tu ne pourras jamais. Je suis ton grand frère, toi aussi. Hein? Donne-moi juste quelques morceaux d'igname. Je vais juste essayer de voir. Goûter quoi? Oncle! Veux-tu maintenant me détester juste à cause de cette igname? Veux-tu me détester à cause de ce ragoût? Toi, petit garçon, petit neveu? Oncle, retourne sur ton lit, va dormir. Ça, ça appartient à ma femme, hein? C'est quoi ton problème? Bon sang, gars, ça va jusqu'à ce point? Tu ne veux plus être le gardien de ton oncle? Tu veux dire quoi par là? Donne-moi juste un peu de ragoût. Je me protège seul. Tu es dans ma maison et tu manges ma nourriture. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Wow. Donc, maintenant tu essaies de me dire que tu ne peux pas me donner un morceau d'igname à goûter, que tu n'es plus mon neveu, oncle. Que tu n'es plus mon petit oncle. Frère. Hein? Oncle, arrête de faire. Ok, d'accord. Va maintenant dormir. Va. Va maintenant au lit. Cette igname ne t'appartient pas. Oh, arrête, non? Qu'est-ce qu'il y a? Il a quoi? Tu veux te battre avec moi? Petit garçon, tu veux te battre avec moi? Oncle, oncle. Tu me détestes à cause oncle, de ragoût? Oncle, oncle. Laisse cet igname, ça appartient à ma femme. Waouh! Vraiment? Ok. Je retourne au lit. Je vais aller dormir. C'est bien. Va dormir. Hein, au lieu de dormir, tu ne fais que dire « L'arôme a inondé mon nez. Hein? Hein? Dors !» Ah ah, c'est quoi cette histoire? Va dormir là-bas. Écoute, Alain. Alain. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, j'allais au lit, mais j'ai changé d'avis. J'ai décidé de venir t'aider parce que tu sais que tu as un calendrier très chargé et tu dois aussi aller au boulot ce matin. Oncle, je ne veux d'aucune aide. Va dormir. Tu ne vas pas manger cet igname, oh? Si tu veux, prépare-toi ton igname, mais pas celui-ci, tu ne l'auras pas. Est-ce que c'est mauvais si je choisis de t'aider? Je ne veux d'aucune aide. Va seulement dormir. Ah ah. Tu n'étais pas ici quand je voulais. Écoute, quand ta je voulais, femme est enceinte et ton calendrier aussi est chargé. Laisse-moi t'aider. Ne t'en fais pas, je vais terminer mon igname. Hein? Tu n'étais pas ici quand je faisais autre chose. Donc, tu n'auras besoin de mon aide. Pars, oncle, pars seulement, pars. Va dormir. D'accord. Bébé, n'ose plus le répéter. N'ose plus le répéter, sinon je vais me fâcher. Qu'est-ce que tu veux dire par « je n'ai plus faim » ? Mais je n'ai plus faim. Et tu l'étais auparavant? Mais je n'ai plus faim, c'est pourquoi tu gueules sur moi. Tu sais ce que ça m'a pris pour préparer ça? Je t'ai demandé les chips ou les biscuits. Je t'ai dit si tu as les biscuits dans le frigo, donne-moi. Juste les biscuits. Je t'ai pas écoute, préparé écoute, autre bébé, chose. Je ne suis pas disponible à accepter tous tes caprices ce soir. Pour ton information, je ne vais plus préparer. Écoute, je ne préparerai plus rien pour toi, peu importe le problème. Allez. En tout cas, je ne veux plus de soucis, je ne veux plus. Allez, enlève-moi ça. Enlève-moi ces ignames, s'il te plaît. Tu veux me stresser? Je vais les jeter là-bas. Comme bon te semble. Je vais les jeter.
Tu dors déjà? Je suis désolée d'avoir mis trop de temps à la douche. J'ai veillé. Je suis désolée, je suis trop fatiguée. Ah oui, je peux l'imaginer. Il est déjà 22h. Sérieusement? Est-ce que tu as le whisky ici? Alan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te chasse de ta maison? Ça, c'est quel genre de question? Tout ça parce que je t'ai demandé un verre de whisky? Non, ce n'est pas du tout ça. La fois passée, tu m'avais proposé de me ramener à la maison et une fois qu'on était arrivé, tu avais passé toute la soirée ici. Je sais que tu es un homme marié. Ta femme ne se plaint pas? Parce que si j'étais à sa place, j'allais m'énerver. Ou soit elle n'est pas dans le pays? Ma femme est ici. Alors, pourquoi préfères-tu rentrer tard à la maison? Est-ce un interrogatoire? Allez, Alan. Nous sommes des collègues. Nous sommes amis. Et si tu as quelque chose qui te dérange, tu peux toujours me parler. Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Ok. Mais je sais que ça ne pourrait être qu'un homme qui n'est pas heureux ou celui qui fuit sa famille qui ne voudront pas passer du temps chez eux à la maison. Je dois partir. Oh, non, non, Alan, attends, s'il te plaît, je ne te chasse pas. J'ai une bouteille de brandy. Ne t'en fais pas, ça va. Alan, es-tu sûr? Ouais. Merci pour ton temps. Ok, alors un câlin. Prends soin de toi, ok? Merci. Bonne soirée. Appelle-moi une fois que tu seras à la maison. Aïe. Ah. Allô, Alan? Il est très tard. Tu ne dors toujours pas? Non. Est-ce que je t'ai réveillé? Je suis désolé, je voulais parler à quelqu'un. Alan, est-ce que tout va bien? Tel que je t'ai dit, je voulais juste te parler à quelqu'un. Voilà pourquoi je t'ai appelé. Qu'est-ce qui se passe au juste? T'es-tu disputé avec ta femme? Non. Alors pourquoi en ce moment tu n'es pas avec elle en train de discuter? Je ne peux pas avoir une discussion avec elle. Tu sais combien mon travail est stressant. Associé aux embouteillages de Lagos. Personne ne peut passer par tout ça et en faire rentrer à la maison pour rencontrer une femme compliquée ou un homme difficile. Je vois maintenant. Tu as un problème conjugal. Ta femme est agaçante. Alors pourquoi tu n'essayes pas de te distraire,
Du genre regarder la télé, lire un livre ou faire quelque chose d'autre. Je ne suis pas un bébé pour vouloir tout ça. Je n'ai pas non plus besoin de la télé. J'ai juste besoin de quelqu'un à qui parler. Voilà pourquoi je t'ai appelé. Oh, je sais, mais je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Tu sais comment aujourd'hui ça a été difficile au bureau. Ok, c'est bon. Parlons. Je le fais juste pour toi. Est-ce que tu as pu trouver quelque chose à manger? Je suis désolée, je ne t'avais rien offert. Mais je te promets, la prochaine fois que tu passeras à la maison, je cuisinerai un plat délicieux pour toi. Tu sais préparer? Oh, qu'est-ce que tu racontes? Je sais faire la cuisine, je prépare tout. Tu prépares tout? Ok, est-ce que je peux préparer les pierres? Les pierres? Tu as dit que tu peux tout préparer, est-ce que tu peux préparer des pierres? Pas seulement les pierres. Je peux préparer du sable blanc et de l'argile. Qu'est-ce qui te fait rire? Ça sera délicieux. T'es pas sérieux. C'est exactement de quoi je parle. En tout cas, tu me fais rire. Tu vois un peu, un homme a besoin de rentrer à la maison, trouver une femme qui le fait rire, qui dissipe ses stress. C'est ce dont un homme a besoin. Où pourrais-je trouver une telle femme? Ici, je suis en train de déprimer. Ok. Écoute ce que je vais te dire. Pourquoi ne pas lui en parler? Vous devez discuter sérieusement. Dis-lui exactement ce que tu ressens. Dis-lui comment ses actes et ce qu'elle fait te rend mal à l'aise et te fait sentir. Ok, ok. Je lui parlerai après. Mais pour le moment, revenons d'abord à nos moutons. Je ne cuisinerai pas seulement de l'argile et du sable. Je mettrai aussi un peu de ciment et du chaud. Tu sais quoi? Dégage mon téléphone. Laisse-moi dormir. D'accord. Bye. Oh, Seigneur. Oh. Bonjour, oncle. Alain. Comment as-tu passé ta nuit? Oh, super. Et la tienne? Très bien. Oh, tu nettoies la cuisine? Ouais, je ne fais qu'aider. Je pense que vous devez trouver une domestique parce que vous en avez besoin. Une ménagère? Je ne pense pas que ma femme puisse supporter ça. Elle est de nature à ne pas supporter beaucoup de gens dans la maison. Nucléaire. Pas étonnant. Donc, c'est pour cette raison que je ne suis pas accueilli ici parce que ça me fait penser, tu vois. Non, tu vois, avec toi, le problème, c'est qu'elle est en train de s'habituer avec toi. Allez. Donc, vous faites le commérage en mon nom? Alors, je vous écoute. Je suis ici. Bébé, tu dois commencer par dire bonjour. Bonjour, bébé. S'il vous plaît, c'est Madame Cani fait pour vous. Vous ne pouvez pas m'appeler bébé, s'il vous plaît. Oh. Oh, mais Madame, tu es Madame Bébé Cani fait. Comme il est écrit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, n'est-ce pas, Alain? C'est toujours la même chose. Oncle, ce qu'elle essaie de dire est que tu l'appelles bébé comme si elle l'est. C'est comme si tu l'appelais comme si elle était ton propre bébé. C'est ce qu'elle a essayé de dire. Vraiment? T'as oublié que quand tu m'avais visité aux États-Unis, on s'adressait à toute la fille, les appelant bébé, c'est comment? Comment ça va? D'accord? Ah, peut-être. Ses parents ont fait une erreur. Je pense qu'ils auraient dû penser à tout ça avant de la nommer bébé. Ou bien, Alain? Alain, il insulte mes parents maintenant. Il vient d'insulter mes parents maintenant. Hé, hey, Alain, je ne suis pas prêt pour ça. Bébé, voici ton mari. Confronte-le. Harcèle-le. Moi, je m'en vais dans ma chambre. Alain, prends soin de toi. Alain, qu'est-ce que j'ai dit?
Qu'est-ce que j'ai fait de mal, hein? Je me suis juste tenue debout et il m'a tourné le dos. Qu'est-ce que j'ai fait? Le problème, c'est que tu es devenue beaucoup trop dramatique ces derniers temps. Waouh! Waouh, Alain! Oh, c'est vrai? Oui. Ok. Vous discutiez ici à propos de trouver une bonne. Pensez-vous que ça va aider? Bien sûr. Tu as besoin de l'aide. Regarde les conditions dans lesquelles tu te trouves. Même quand tu t'en vas dormir. Et moi aussi, je vais au travail. Tu dois en tout cas avoir quelqu'un pour t'aider. Ok. Sais-tu alors où tu vas la trouver? Ouais, il y a des agents. Juste question de le leur demander. Ok. Devrais-je en trouver une? Oui. D'accord. Peut-être que tu pars au boulot. Ok, bye bye alors. Quoi encore? Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Pourquoi tu pleures encore? Mon ennemi. Quoi? Moi? Ton ennemi? Allez, bébé, non, c'est pas ça, ne dis pas ça. Je suis ton ami. J'habite ici. Ton mari est mon petit neveu. Allez, écoute, quand il est au travail et que quelque chose de mal se passe dans la maison, c'est moi qu'il va blâmer. Alors je dois savoir exactement ce qui ne va pas avec toi et le régler maintenant même. Donc, peux-tu me parler? Regarde comment est-ce qu'Alain m'a laissé toute seule dans cette maison. Et si j'ai besoin de quelque chose, qui va m'aider? Laisse-moi te dire quelque chose. Je ferai tout ce qu'il faut pour t'aider quand il est au travail. Je suis en charge maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Je veux le poulet. Poulet. Donc, si je te donne le poulet, tu vas arrêter de pleurer? Oui. C'est vrai? Oui. Wow. Tu es sûr? Oui. D'accord. Je reviens. Donne-moi juste quelques minutes. Ok. Je suis là. Oh mon Dieu. Mais après, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai trouvé le poulet pour toi. La poule? Ok, ok, ok. J'ai aussi fait frais pour toi ce poulet parce que je veux que tu souris, voir ce sourire sur ton visage. Oui. Coupe ça pour moi. Lequel, celui-là ou celui-ci? Non, ça, bien sûr, ça.
celui-ci? Oui. Pour toi seule? Non, vous allez manger avec moi. D'accord. Donc je vais le retourner. Couper ça. Pour toi après. D'accord, pas de problème. T'es sûr? Mm-hmm. Pour pas que je te fasse attendre? Mm-mm. Je suis content de te voir sourire maintenant. Je vais raconter à Alain cette comédie. Comique? Tu n'es pas du tout une mauvaise personne. Ok, qu'est-ce que vous leur avez dit? Je leur ai dit que je venais d'Afrique. Que je suis un Africain. Ouais, venant de la jungle. J'étais le roi de la jungle. J'étais un Africain, l'homme du peuple. Tu comprends ce que je dis? Mm. Et quand je rugis comme un lion, ils ont peur. Et je les menaçais comme ça. Hey, faites attention. Et je leur disais d'aller en enfer. C'est vrai. Je leur dis cet adage africain. Okuri kuri kanalo kwase edalieno. Tu comprends ce que je dis? Le tour de l'arbre fruitier à poivron, mais ne peut pas y grimper. Oh ouais, tu peux faire le tour de l'arbre fruitier à poivron, mais tu ne peux pas y grimper. Tu ne peux pas non plus grimper à l'aubergine. Oui, attendez un peu s'il vous plaît. C'est vrai ce que vous venez de dire? Ouais, tu ne peux pas grimper à l'aubergine, tu ne peux pas grimper au poivron non plus. Oncle, leur avais-tu dit que ta langue, c'est l'anglais? Bien, je leur ai dit ça dans mon patois et je leur ai interprété en anglais. Ouais, c'est ça. Oncle, vous êtes trop drôle. Je te dis. Vous êtes trop drôle. Oncle, pourquoi cette façon? Oncle, pourquoi vous mangez de cette façon? Quand vous mâchez, le sang dérange mes nerfs, hein? Et ça dérange aussi les bébés. Ah, oncle, c'est pas bien ce que vous faites, c'est pas gentil. Bien, parfois je parais amusant et parfois je parais dégoûtant, n'est-ce pas? D'accord. Oncle, ça ce n'est pas drôle, ce n'est pas drôle, je vous dis. Regardez maintenant, le bébé est trop affecté. Non, tu hurles comme... l'oiseau chichi dodo. Tu connais l'oiseau chichi dodo? Il mange des vers, mais font semblant de ne pas manger des articots. Oncle, écoute, vous m'avez traité de qui? Écoute, les oiseaux chichi dodo, c'est ce qu'ils font. Ne leur ressemble pas. Oncle, vous m'avez traité de la sorte? Non, je le dirai à Alain. Je le dirai à Alain parce qu'il m'a mis auprès de vous. Regardez maintenant ce que vous faites à mon bébé. Tu déranges mon bébé, oncle. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Écoute, okay, ces oiseaux, c'est un problème. Mangez votre poulet. Oui, mange le poulet. Tout seul? Oui, vas-y, mange tout et finis ça. Et si je meurs, tu pleureras plus? Souviens-toi, j'ai pris ton mari à l'école. Faites ce qui vous semble bon. Tu ferais mieux de me souhaiter bonne chance. Faites tout ce que vous voulez, donc, je m'en fous. Je prends ça je du vous tout déteste, le poulet aussi. Franchement, je vous dis la vérité. Je vous déteste. Elle t'a laissé, toi, poulet. Bébé, je t'ai acheté ceci. C'est le dernier modèle. Mm-hmm. Il te permettra de profiter de tes appels, de ta musique. C'est vraiment bien, tu sais. Ouais. Wow. J'aime ça. J'en suis heureux. Merci. De rien. Ah. Regarde comment est-ce que l'amour te pousse à faire les choses. Tu as rendu ma journée merveilleuse. J'étais sur le point de me plaindre pour ton oncle. Mais je lui pardonne. C'est vrai? Oui. C'est pour ça que tu as acheté ça pour moi? Bien, c'est bon. J'y crois aussi. Oh, baby, il faut descendre. Il y a la nounou et son manager. C'était trop rapide. Oh, bien sûr, quand quelque chose arrive à ma femme, j'ai besoin que ce soit toujours rapide.
Ok. Alors, je vous rejoins bientôt. Il n'y a pas de problème, chérie. Merci, bébé, pour ces cadeaux. Il n'y a pas de problème, je t'en prie. Traîne pas, nous t'attendons. Ok. Oui. Oh. Oh, ma femme sera bientôt là. Bon après-midi. Bon après-midi. Oh, c'est elle la bonne? Oui, monsieur. C'est quoi ton nom? Chi, monsieur. Chimbiko, monsieur. Excuse-moi. Chi quoi? Chimbiko. Ça, c'est un nom inhabituel, mais qui le sait, ça peut être remarquable. Qu'est-ce que tu penses? Ok, ma femme, oh, elle est là. Bon après-midi, madame. Bon après-midi, madame. Bon après-midi. Alain, est-ce que tu as ouvert le fenêtre? Je sens une odeur compliquée. Je ne sais pas d'où ça provient. Il se peut qu'on soit en train de brûler quelque chose non, en route. Ça ne sent pas cette odeur. Ok. Alors, c'est toi la nouvelle bonne, Chi, n'est-ce pas? Oui, madame. Vous connaissez déjà mon nom. Oui, je l'avais déjà entendu. Ah. Ok, prends ton sac. Ta chambre est juste là à côté. Tu peux aller. D'accord, madame. S'il te plaît, sois la bienvenue. Hein? Merci, madame. D'accord. Merci beaucoup. C'est elle qui dégageait cette odeur? Oh, mais quoi ça? Monsieur Agent, ne dis-tu pas à ta fille de bien laver son corps? Ah ah! Vraiment désolé, madame. Je ne peux pas tolérer ça, oh. Je ne peux pas sentir cette odeur. Je ne veux pas lui dire quelque chose qui va la vexer. C'est quoi encore ton nom? Samuel. Sam, bien, si tu la vois avant de partir, dis-lui de commencer à se laver 3 fois par jour. Ou qu'elle s'éparpille à tout moment. Qu'elle transpire. Parce que je ne peux pas supporter. Hein? Bébé, dis-moi, êtes-vous déjà convenu? Oui, 45 000 le mois. 45 000. Pas de problème. Ok. Excusez-moi, je me sens un peu fatiguée. Je t'offre un verre de jus ou quoi d'autre? Merci, monsieur. Mais qui est là? C'est moi, oh. Entre, entre. Ouais. Bonjour, monsieur. J'ai apporté votre petit déjeuner. Dépose ça là-bas. Oui, monsieur. Laisse-moi te dire quelque chose. La prochaine fois, tu m'appelles Godfrey. Uncle Godfrey. Godfrey. Okay? Ouais, oui. C'est ça. C'est pas Godfrey, Godfrey. Mais Godfrey. D'accord. Oui, monsieur. Et autre chose, il y a 3 choses que tu vas apprendre ce matin. D'accord? Tu vas apprendre comment dire Godfrey, oncle Godfrey. Tu vas apprendre ce qui est la deuxième, comment dire petit déjeuner. Petit déjeuner, pas petit déjeuner, petit déjeuner. Et la troisième, c'est oui, moi, monsieur. D'accord? Oui, monsieur. Rassure-toi que tu mémorises tout ça. Ouais, oui, monsieur. Monsieur, pas monsieur, monsieur. Et à part ça, une chose très importante, très très importante, vitale même, que tu dois savoir et que ta madame est une très étrange personne. Elle est enceinte et elle... blablate. Elle harcèle, elle insulte, elle mord comme un serpent. Comme ça. Quoi qu'elle te fasse,
Ne le prends jamais au sérieux. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui, monsieur. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui, monsieur. Bien. Ne prends jamais tout ce qu'elle te fait ou tout ce qu'elle te dit oui, au monsieur. Sérieux. L'autre fois, elle disait que j'ai santé. Bien. Je te l'ai déjà dit. Tu vas avoir plus que ça. Alors, tu dois te préparer pour le pire. Mais laisse-moi te dire. Faut endurer. D'accord? Oui. Faut juste rire. Pardonne-lui. Oublie tout ça. Tu es ici pour travailler, être payé et rentrer chez toi. Comporte-toi bien. Nous avons besoin de toi ici, d'accord? Oui, monsieur. Elle a dit qu'il y avait quelque chose qui sentait dans la maison. Elle m'a dit d'aller prendre bain. C'est là que j'ai compris qu'elle me parlait à moi. Monsieur. Bien, ça ne me concerne pas. Ça concerne vous deux. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Sors. Oncle Godfrey, merci pour tout ce que vous m'avez enseigné ce matin. Merci, monsieur. Oncle Godfrey. Bonjour, monsieur. Je peux? Pourquoi est-ce que le pain est calciné? J'ai cru que vous alliez aimer, monsieur. Oh, mais comment ça? Tu l'as laissé dans la friteuse non, pendant longtemps. Regarde un peu. Non. Le pain, ça ne se fait pas comme ça. Couille. Regarde ce que tu as fait. Regarde un peu. Êtes-vous en train de vous embrasser, vous toucher ou quoi? Non, non. Oh mon Dieu, vous vous embrassez? Non. Hein, Alain? Hein, Alan? C'est ce qui se passe ici? Non, non. Hein, Chichi? Baby, arrête, tu m'agaces. Embarrasser quoi? Je t'ai vu, je vous ai bien vu, alors arrête de mentir. Je t'ai bien vu. Ne mens pas. Chichi, qu'est-ce que c'est non, ça? Non, madame, non, non. Hein? C'est pour ça que tu l'as emmené ici? Waouh, bien fait. Je comprends très bien, Alan. Hein? Je vous attendais depuis l'euro. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème entre vous ici? S'il vous plaît, demandez à votre neveu qui est-ce qu'il était en train d'embrasser il y a quelques minutes. Demande-lui. Quoi? Alain? Dis-moi, est-ce que c'est vrai? Qui embrasse qui? Hein? Honnêtement parlant, oncle... Je ne sais pas comprendre ce qui arrive à ma femme. Il n'y a rien non, qui madame. M'arrive. En effet, madame, c'est non. toi d'ailleurs non, qui madame, me cherche. Non, hein, non, Alan, peux-tu fermer ta sale bouche? Allez, sors de ma maison. Toi, va dans ta chambre maintenant. Ah oui, monsieur. Oh, donc c'est ça. Donc vous la protégez, n'est-ce pas? Vous protégez la voleuse du mari d'autrui. Regardez bébé, non? Bébé n'est plus joli, n'est-ce pas? Bébé a porté un bébé. Alan, dis-moi, c'était vraiment ça le plan? Hein, Alan? C'est ce que tu me fais maintenant. Il n'y a pas de problème. Je ne veux plus te voir dans cette maison. M'as-tu entendu? Je ne peux plus te revoir dans cette maison. Tu m'as énervé. Tu m'as vraiment déçu. Ça, c'est la folie. Tu ne veux pas répondre à ses appels? Non. Peut-être qu'elle veut s'excuser. S'excuser ne résolvera pas ce problème. Ça ne résolvera pas. Regarde-toi. Regarde combien tu as de la paix et combien tu es calme. Même si tu étais la femme que j'avais épousée, je ne pense pas que tu serais en train de me stresser à cause seulement de la grossesse. Ma femme me dérange beaucoup. Elle m'harcèle vraiment.
Je comprends, Maison. Elle est enceinte. Pourquoi tu ne m'en avais pas parlé? Ok. Et alors, si jamais la grossesse lui faisait passer une dépression? Non! Ça, ce n'est pas à cause de la grossesse. Elle a juste de mauvais comportements. Tout ce que l'homme exhibe est enraciné à son intérieur. Oui. Quiconque vole a cette tendance de vol dans son intérieur, peu importe les raisons du capitalisme. Bien, tu peux y avoir raison. J'ai des arguments solides. S'il te plaît, est-ce que je peux passer la nuit ici? Je peux juste dormir dans la chambre des visiteurs, s'il te plaît. Bien sûr, c'est pas comme si j'allais te mettre à la porte. Mais premièrement, tu dois d'abord lui faire un message que tu vas bien et tu essaies juste de te vider la tête. Je ne le ferai pas. Non, tu dois. Passe-moi ton téléphone. Alan, donne-moi le téléphone. Prends. Merci. Oh, je t'en prie. Oh, je t'avais promis la fois passée le repas. Alors laisse-moi aller à la cuisine le faire rapidement. Je reviens dans peu de temps, ok? Attends-moi, j'arrive. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde une magnifique femme. Allez, arrête ça, s'il te plaît. Je reviens dans peu de temps. Rassure-toi de ne pas dormir. Chi! Chi, Biko! Oui, madame. Bonjour, madame. Bonjour, ma chère. Y a-t-il quelque chose que vous voulez que je fasse pour vous? Mm-mm. Oui, madame. Chi. Oui, madame. Je m'excuse pour la façon dont je t'avais parlé hier. Je suis vraiment désolée. Cette grossesse me transforme souvent en une autre personne. Il n'y a pas de problème, madame. Je vous comprends. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Chi. Madame. Tu sais que tu ne peux pas intentionnellement te faire du mal, n'est-ce pas? Oui, madame. Et pour ces accusations entre toi et mon mari, hein? Je ne pense pas que tu aies une affaire avec lui, n'est-ce non, pas? Non, 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 madame, il n'y a rien du tout. Je sais. Ce sont juste mes pensées qui dérangent. Tu sais, mon docteur m'a dit que j'ai une dépression mentale. Et c'est à cause de mon état. Et un autre moment, je suis bien, un autre moment, je suis en colère. Une autre fois, je ne supporte pas. Je ne comprends pas du tout. C'est comme une machine qui s'ouvre et se ferme à tout moment. C'est une dépression post-partum, mais personne n'en parle. Jay, des fois, ça me dérange énormément. J'en ai vraiment marre. Hein? Tu ne me comprends pas, n'est-ce pas? Pas du tout, madame. Je veux juste te dire que souffre de ne pas me détester ou t'es fâché contre moi lorsque je suis dans mes humeurs. Je non, vais ok, bien. Madame. Comment me fâcher? Je ne le ferai pas. Hein? Merci, madame. Ok. Alors, il y a quoi pour le petit déjeuner? Rien. Oh. Tu n'as rien fait. Non, madame. Mais si vous voulez quelque chose, je peux le faire vite. Désolée, madame. Donne-moi un pape. Sans le lait, sans le sucre. Pas de milk ni de sucre. Juste comme ça. Emmène-moi, okay, pape, d'accord. Chichi. Merci beaucoup, madame. Merci. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Le petit déjeuner est là. Merci. Le déjeuner est là. Ok.
Bon déjeuner. S'il te plaît, reviens. Je veux que tu restes avec moi. Ok. Tu veux parler? Ok, discutons. Je t'écoute, je ne crie pas. Après tout, je n'ai pas un petit ami pour lui faire ça. Je commence à te désirer encore plus. Le feeling est réciproque. On s'apprécie et rien de plus. Je crois que c'est plus que ça. Parfois, ça doit aussi être plus que ça. Alan, tu es marié. Oui, je suis marié, mais ma femme a changé. Mais tu as dit qu'elle est enceinte. Le plus grand souci est celui d'identifier le problème. L'autre chose est celle de se dire la vérité avant d'affronter le problème. Ma femme m'accuse d'avoir embrassé la nounou. Et à cette occasion, elle a tenté de me chasser de la maison. Et avec ça, dois-je espérer être concentré en elle et espérer quelque chose de mieux? Oh, ok. Je sais que parmi tous les travailleurs au bureau, c'est toi qui es plus proche de moi. Mais je dois te poser cette question. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'es-tu rapproché de moi? C'est simple. Tu me rends très heureux. Je veux passer plus de temps avec celle qui me rend heureux. Et c'est toi. Qu'est-ce qui va se passer après son accouchement? Après tout ça, tu vas disparaître? Parfois, dans la vie, il faut vivre le présent, sans inquiéter de l'avenir. Et qu'arrivera-t-il si l'un commence à développer des sentiments? Pendant que l'autre est très occupé en train de savourer les moments, qu'est-ce qui va se passer après? Cette personne est censée garder cela dans les archives de sa mémoire. Alan, je ne pense pas que c'est ce que je veux pour ma vie. Écoute, les souvenirs sont inévitables. Tous nous avons des souvenirs. Bons ou mauvais, de l'école ou ailleurs, de nos parents. Ça ne devrait pas être un problème. Alain, Alain, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais encore dehors là-bas? Dans une chambre d'hôtel en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Et écoute, écoute-moi bien maintenant. Ta femme est la personne la plus belle, la plus gentille que j'ai jamais rencontrée depuis que j'ai commencé à vivre chez vous. Je jure Dieu, il fallait voir la façon dont elle parlait à la domestique comme si elle était sa fille. Elle s'excusait de la façon dont elle nous avait parlé hier, c'est-à-dire à tout le monde. Je veux dire, waouh, c'est comme un miracle. Je vois que ce déséquilibre dans son ADN a commencé déjà à s'équilibrer. Ouais, ça travaille maintenant. Alors garçon, peu importe là où tu te trouves, tu dois revenir maintenant. Elle arrive, je te parle après. Reviens à la maison. D'accord. Je n'ai pas dormi à l'hôtel. J'ai juste découché. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Allez. Quoi? Quand Baby m'avait chassé, tu étais présent. Les murs ont des oreilles. Écoute,
il se peut qu'elle nous entende. Dieu, Allen, tu dois vite arrêter cette erreur, Allen. Quelle valeur cette question d'amende va ajouter à ta vie? Merde! Allen! Regarde-toi par Léo. Tu étais allé aux États-Unis là-bas. Tu y as marché avec toutes les femmes et maintenant tu me conseilles. Et tu me conseilles maintenant? Donc, tu veux faire aussi ce que j'ai fait? Ça ne profite pas. Ne comprends-tu pas? Écoute, l'expérience corrige mieux que les conseils. Tu dois arrêter cette bêtise maintenant. Je jure Dieu. Écoute, oncle, je suis un homme marié, je suis une grande personne. Je sais ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ma femme se comporte mal. Elle fait les choses très très mal. Non, non. Oncle, ne le juge pas. Laisse-le continuer à parler. Hein, Alan, donc tu es en train de dire que tout ce que je fais n'est pas bon. Je ne fais rien de bon, n'est-ce pas? Je suis une bonne à rien. Ok. Donc tu es revenu. Et tu t'es vite précipité chez ton oncle pour qu'il te cache et que je ne sache pas que tu es venu. Et qu'il te donne de très mauvais conseils. Hein? Allen, ne te l'ai-je pas dit? Elle recommence. Vous savez, je vous avais raconté l'histoire d'un voleur armé repenti qui allait visiter le canard de son voisin. Et arrivé là, le voisin qui regardait par la fenêtre dit « Hé, ce voleur-là vole mon canard. » Mais ce qui n'était pas le cas. « Je vais te dire quelque chose, garçon. Je vais te laisser avec ton... » Superbe... bébé. Regarde ça. Merci. Dieu. Le problème avec toi, tu ne veux même pas savoir qui est de ton côté. Qui est de ton côté? Pour toi, tout le monde est ton ennemi. Ah. Alan, le message que tu m'avais fait la nuit dernière, c'est qui avait fait que moi et mon bébé ne puissions pas dormir. Hein? Alors s'il te plaît, peu importe ce que je fais ou je dis, ne va plus dormir à l'hôtel. S'il te plaît. S'il te plaît, bébé. Ah. Et apparemment, tu es de bonne humeur ce matin. Oui, c'est juste un... Pas de mais. Je ne vais pas à tes histoires là. Mais quoi? C'est quoi les mais? C'est rien. Je voulais juste te dire que nous puissions sortir ensemble et regarder les soleils comme d'autres amoureux le font. Hein? S'il te plaît. C'est déjà le matin. Je dois aller au boulot. Juste 10 minutes. S'il te plaît, allons-y. S'il te plaît. Viens, non? Le bébé t'appelle. Allons-y. Écoute, il y a plus de 30 minutes que nous sommes ici. Je suis fatigué. Bébé, attendons encore un tout petit peu, non? Le soleil est très bien pour les bébés. Ne le vois-tu pas? Regarde un peu. Ok, regarde un peu au centre du soleil. J'aime ce que ça fait à mon bébé et moi. Veux-tu que je perde mon travail? Je dois déjà être au travail. D'ailleurs, le bébé que tu portes est une fille et non un garçon. C'est un garçon. Je dis que c'est une fille. Je veux d'une fille. C'est une fille. C'est un garçon. Je dis que c'est une fille. Garçon. Pourquoi tu m'harcèles? M'as-tu tenté d'une dérangeuse? Alan, tu m'as appelé dérangeuse. Je n'arrive pas à comprendre lorsqu'une très belle fille comme toi se transforme en... Dérangeuse? Vas-y, continue ta phrase. Tu me traites d'une dérangeuse. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hey, d'accord, écoute, je te rappelle après. Alain, tu dois aller au travail. Je vais m'asseoir ici. Aussi longtemps que ta femme bébé veut rester sous le soleil, je resterai avec elle. Si je suis fatigué, j'appellerai la domestique pour m'aider. Mais je veux t'aider pour ton propre bien. Tu dois aller au travail maintenant. Sinon, tu vas perdre ton emploi. Je vais m'asseoir avec mon mari. Non, ce dont tu as besoin est une compagnie. Et oncle Jeffrey est disposé à le faire, s'il te plaît.
Je dois aller au travail. Tu veux que je perde mon travail? Merci, oncle. Ok, je vais essayer. Comment tu vas? Alors, Geoffrey, tu sais, j'ai besoin d'une histoire concernant les soleils, si on t'a déjà relaté. Par ta mère, c'est pas un problème. Même un mensonge, vas-y. Ouais, je me rappelle. Ce jour-là où ma maman me disait que le soleil est loin de la Terre d'environ 150 millions de kilomètres. Écoute, ennuyant. Et la lune brille la nuit en reflétant la lumière du soleil ainsi que les étoiles dans le ciel. Et tu vois comme brille ton beau visage. Et veux-tu entendre une autre? Tu n'as même rien dit. Non. Franchement, je veux te raconter une autre, mais tu sais, il va avoir un peu de mensonge dedans. Tu vas l'aimer? Pas de problème. Raconte. Oui, demande-lui de m'attendre. Je serai au bureau dans les prochaines 20 minutes. Oui, merci. Quoi? Rien du tout. Je voulais juste te provoquer et te dire désolé. Pour ma réaction qui vient de se passer. Bébé, s'il te plaît, sérieusement, je n'arrive pas à me contrôler. Je ne comprends pas. Et je pense que c'est à cause du bébé. Alors, juste dire désolé. Je ne veux pas te stresser. Et ton oncle m'avait très bien tenu compagnie. Je te dis, il a très bien fait en me faisant rire. Tu es sérieuse? Il est bon qu'une personne dans cette maison soit à mesure de te rendre encore heureuse. Alors tu vas au boulot? Oui. Laisse-moi t'accompagner. Vraiment. Mais prochainement, il faut faire ce genre de choses. En tout cas, parfois ça dérange. Je te dis que c'est les bébés, non? Baby, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'es-tu pas en train de dormir? J'ai fait un cauchemar. C'est pour ça que tu es en train de pleurer? Oui. Dans ce rêve, un mascotte était en train de me poursuivre. Il voulait me faire du mal et à mon bébé. Dans ma place, tu n'allais pas pleurer? Je n'allais pas pleurer. Parce que ça ne peut jamais m'arriver. Je ne suis pas la personne qui est enceinte ici. Waouh! Alan, waouh! Waouh! Qui m'avait engrossé? Qui m'avait engrossé, Alan, n'est-ce pas toi? Mais ne pouvons-nous pas dormir ce soir? Mais nous allons rester comme ça, vraiment? Tu viens à peine de me dire que tu étais heureuse quand j'étais au travail. Mais pourquoi est-ce que cette humeur a changé brusquement comme ça? Tu es en train de me dire que ma présence te dérange? Hein? Je suis en train de te déranger maintenant. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Alan, où est-ce que tu vas? Je m'en vais dormir en bas. Alan, ma hanche est en train de me déranger. Et c'est toi qui m'avais engrossé. Alors, viens m'aider, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Suis-je le seul homme à être marié? Mais vraiment, ne puis-je pas être en paix? Si tu finis avec, tu vas me masser encore le dos. Laisse-moi aller dormir en bas, s'il te plaît. Alan, viens me masser le dos, s'il te plaît, je n'arrive pas. Alan, à part ça, le ventre aussi me dérange. Si c'est moi, je fais un grand mouvement. Je te dis, Alan, un problème m'est arrivé. Je vais perdre mon bébé et je suis très sûr que tu vas me fuir. Tu vas vraiment m'abandonner. Personne ne me croit dans cette maison. Alan, viens me masser ma hanche, viens me masser la hanche. J'étais super stressée au travail, mais ne puis-je pas être en paix? Sais-tu ce que je ressens?
Alors viens me masser le dos maintenant. Viens me masser le dos, hein, s'il te plaît. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Arrange-toi bien. Alan, j'ai dit quelque chose et tu ne m'as pas répondu. J'ai dit que tu vas perdre ton amour envers moi et tu n'as rien dit. Es-tu en train de m'ignorer? Non. Alors dis quelque chose. Quelque chose. Quoi? Tu m'as demandé de dire quelque chose. J'ai dit quelque chose. Alan, tu es en train de te moquer de moi maintenant. Alan, moi je te parle et toi tu te moques de moi. Waouh! Waouh! Bébé, bébé, tu souffres. Alan, je suis bête maintenant, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Donc je me suis engrossée moi-même. C'est ça, j'ai compris. C'est ce que je suis pour toi. Il n'y a pas de problème. D'accord, pas de souci. Donc, je suis une dérangeuse dans cette maison. C'est ce que j'ai compris. D'accord. Chichi! Chichi! Madame! Oui, madame. Rejoins-moi dehors, j'ai envie de regarder la lune. La lune n'est pas assez lumineuse cette nuit, madame. Je veux regarder à l'heure le nuage. Ok, madame. Chichi, je sais que ce n'est pas ton travail. C'est le travail de mon mari qui doit m'aider à faire cela. Mais quand je lui dis de faire quelque chose, il se plaint toujours. Il ne fait que se plaindre. Désolée, et si madame. Je me plains, il me dit que c'est moi qui se plains beaucoup que lui. Désolée. Qu'est-ce que je t'ai encore en train de dire? Chichi. Madame. Tu t'es lavé? Ah. Pourquoi tu sens mauvais comme ça? Je me t'ai lavé, madame. Même tes dents. Il n'y a pas de brosse dans cette maison. Oh mon Dieu. Désolée, madame. Mais qu'est-ce qui se passe ici? As-tu mangé au guiri ou quoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette maison? Je m'ennuie énormément. Désolée, madame. Allons dehors. Ah! Oh, il n'y a pas la lune aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que vous me faites ça? Pourquoi est-ce que je mérite tout ça? Pourquoi? Désolée, madame, peut-être qu'on doit essayer demain. Enlève tes mains dans la bouche lorsque tu me parles. Qu'est-ce que tu as? C'est pour éviter que cette odeur de ma bouche arrive jusqu'au chez vous, madame. Oui, ça sent vraiment mauvais. Désolée, madame. Eh, hey, mon Dieu, je n'aime pas ça. Hein, Chichi, tu sais... L'autre fois, Godfrey avait mangé mon poulet. Hey. Je ne sais pas si je voulais pas manger le poulet à cette heure-là, il l'avait mangé. Ne pouvait-il pas le garder dans le frigo? Oh là, ou utiliser ses sens pour savoir que, oh, quand elle ne va pas le manger maintenant, elle pourra le manger après. Oh. Ne pouvait-il pas le faire? Désolée. Est-ce que ça allait fuir de la maison? Désolée, oh. Ah. Désolée. Godfrey est rude. Je te dis, il est vraiment égoïste. J'ai jamais vu quelqu'un de pareil. Désolée, madame Sarah. Ah, Godfrey. C'est quoi, mais t'es désolée? Qu'est-ce qu'il y a? Désolée. Tu as encore été désolée? Qu'est-ce qui est désolé? Suis-je tombée? Ah ah! Je ne suis pas tombée, est-ce qu'on peut dire désolée? Ah ah! Je suis vraiment désolée, j'en ai marre, je te dis! Oh, on me traite comme une imbécile dans cette maison. Tu sais, sais-tu ce que tu vas faire pour moi, hein? Va dans la cuisine. Tu vois le poulet que Godfrey avait mangé? Prépare ça pour moi. Et fais aussi pour moi le riz. Écoute, assaisonne pour moi très bien ces poulets. Mmh. Tu mets fais tous les épices à l'intérieur et aussi ce riz. Si ça couille, tu vas me la prêter et tu vas me le servir. Je vais juste manger de cette façon. S'il te plaît, dépêche. Tantine, vous venez à peine de dire que l'oncle Godfrey a mangé ses riz et ses poulets. Allô? Mais il a déjà mangé. Ça veut dire qu'il n'y a plus de riz, ni de poulet, puisqu'il a déjà mangé. Oh! Oh! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est, non? Pourquoi vous me faites ça dans cette maison? Je veux ce poulet, j'en veux maintenant, qu'est-ce qu'il y a, non? Je peux vous faire un autre repas. Je ne veux pas une autre chose, c'est ce que je veux! Ah ah! Pas de mari, pas de nourriture et pas de poulet!
Rien du tout, personne même dans cette maison. Vous me traitez comme une imbécile. Franchement, comme une imbécile. Ne dis pas ça, désolée. Il n'y a pas de problème. Traitez-moi comme vous voulez. Faites tout ce que vous voulez dans cette maison. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée de mon mari, fatiguée de toi, Chichi. Allez, vas-y, Chichi, vas-y. Pars. Chichi, pars. Tu sais que tu sens mauvais, non? Pars. On se voit demain. Ah, oui. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Alan. Quoi? Où est-ce que tu vas? Au travail, bien sûr. Au travail? Un samedi? C'est depuis quand que tu travailles le samedi? Es-tu mon chef? Dis-moi, est-ce que tu as mon horaire de travail? Je m'en vais au travail, c'est tout. J'espère que ce n'est pas un moyen pour toi de fouiller cette maison et de me laisser toute seule. Je ne suis pas prêt à écouter tes problèmes ce matin. La nourriture est prête. C'est assez très bon. S'il vous plaît, madame. Ah, laisse-moi arranger. Ah, laissez-moi vous aider, madame. Ok. Merci, la nourriture madame. A l'air bon. Merci. Goûtons. C'est bon, madame. Tu dis qu'est-ce que c'est? Ce que vous m'avez demandé de faire. As-tu bien préparé cette nourriture? Désolée, madame. Mais c'est très dur. Désolée. S'il te plaît, enlève ça ici. Désolée, enlève ça. Madame. Dégage-moi ça. Désolée. Apporte-moi les bananes ou autre chose, je vais manger. Vite. Désolée, ok. Gigi, tu as gâché mon appétit vraiment ce matin. Hey! Tu fais quoi comme ça? Désolée, madame. Vous m'avez dit de mettre la nourriture dans la poubelle. T'ai-je dit de le jeter là-bas? Désolée, madame. Oh mon Dieu! Dis-tu donc les souris vont manger ma nourriture? Non, madame. Hein? Vous m'avez dit de jeter la nourriture. C'est pourquoi je... Les souris vont manger ma nourriture, Chichi. Désolée, madame. Et qu'est-ce que tu veux faire, hein? Vas-y, dépose ça vite par terre! Oh! C'est pour que le chien vienne manger cette nourriture. Pardon, madame. Tu as vraiment l'esprit du village. Ne sais-tu pas qu'une femme enceinte doit commencer à nourrir les animaux pour attirer de la bonne chance chez son enfant? Désolée. Donc, tu veux maudire mon enfant? Non. Tu veux maudire mon enfant? Ok. Madame, finalement, je dois faire quoi? Madame, s'il vous plaît, je suis désolée. Pardon. Madame, permettez-moi de chanter et danser pour vous. Un chant que nous faisons dans notre village. Vous allez beaucoup aimer, vous allez apprécier ça. Chante alors. Keleleke, keleleke. Madame, quand je dis keleleke, vous devez dire Obi. Oh, Chichi, là maintenant tu me commandes. Non. Je veux ça, c'est le seul moyen pour vous de vous détendre en faisant le morceau. C'est comme ça que nous faisons dans notre village. Pardon, madame.
Vas-y, chante, chante. Ok. Keleleke. Obi. Keleleke. Obi. Keleleke. Obi. Keleleke. Obi. Keleleke. Ok. Keleleke. Obi. Oh, vas-y, danse. Keleleke. Keleleke. Obi. Keleleke. Obi. Keleleke. Obi. Keleleke. Vas-y, bouge ta hanche. Obi. Keleleke. Obi. Keleleke. Vas-y, bouge tes pieds. Ok, descends. Obi. Keleleke. 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 Vas-y. Keleleke. Obi. Keleleke. Obi. Keleleke. Obi. Keleleke. Keleleke. Obi. Mon Dieu. C'est un exercice très fort pour moi. Oui, madame. Comment vous vous sentez maintenant? Je me sens bien. Ok. Je refuse que mon enfant soit maudit. Oh. Oui, madame. Merci. Merci, madame. Mm-hmm. Oui. Nous le ferons un autre jour. C'est bon, oui. Aussi. Bye. Vas-y, alors. Oui, merci. Mm. Merci, madame. Obike. Oh, tu as du rouge à lèvres. Mmh. Ah, c'est bien. Mmh. Oh. Es-tu content? Oui, oui, parce que je suis avec toi. Mmh. Moi aussi. Mmh, tu es d'une beauté extrême. Mmh. Allez, tu me fais rougir. Écoute. J'ai vraiment pour séduire, pour faire cette recherche et obtenir ces résultats. C'est merveilleux. Tu dois les entendre. Mais écoute, détends-toi. Nous cherchons la solution, je pense. Donc, j'ai trouvé ça sur Google. J'ai consulté Google et j'ai obtenu les résultats suivants. Prénatal ou prépartum. La dépression pendant la grossesse provoque la tristesse extrême, l'anxiété, la fatigue, l'inquiétude, des difficultés à dormir, c'est-à-dire l'insomnie. Il est aussi connu sous le nom de baby blues et il est causé par les fluctuations hormonales, les hormones sanguines, et quand ça fluctue dans les veines et le corps, tu vois, et le système. C'est les troubles d'humeur qui affectent 10% des femmes pendant les grossesses. La mesure à laquelle ça affecte ces femmes, on ne le sait pas, mais ça dépend de leurs fluctuations hormonales et de leurs ADN. Ça réduit un peu leur libido, rend inadéquat leurs sentiments et est aussi la cause de la sous-estimation. Tu vois, etc., etc. Les femmes enceintes doivent se focaliser plus sur leur santé mentale et aussi physique. Et les traitements. Ok. La plupart des traitements sont disponibles. Et les recherches ont montré que l'humeur dépressive se manifeste dans les 3 premiers mois de la grossesse. C'est la durée normale de la dépression chez les femmes enceintes. Oncle, attendez s'il vous plaît. Ça, c'est exactement ce qui m'arrive. Oh, allez, tu as encore commencé. Vous avez parlé commencé. De conditions mentales. Calme-toi et lis attentivement. Je deviens folle. Tu ne deviens pas folle. Je le suis. Non. Arrête ça et lis ça. Nous sommes en train de chercher une solution pour toi. Tu devrais être contente. Arrête de penser négativement. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est écrit. La dépression de l'état de grossesse rend quelqu'un désespéré en se sentant vide et à des pleurs excessives. Oh mon Dieu! Une connexion difficile avec ses partenaires? Ça, c'est moi. C'est vraiment moi. Oh
mon Dieu. En fait, il y a une thérapie qui peut vous aider à comment réagir dans différentes situations qui vous arrivent. Mais comment est-ce que ça peut être possible? Il y a un moyen positif, ce qui veut dire qu'il y a une solution pour toi. Sois contente. Oncle, je deviens folle. Et si je... Vous ne comprenez pas, je deviens folle. Tu ne deviens pas folle. Écoute, bébé, tu ne comprends pas. Tu ne deviens pas folle. Oh mon Dieu. Je suis folle. Oncle, je suis folle. Oncle, non, je n'en peux pas, je suis devenue folle, je suis folle, je dis. Comment est-ce que je peux être positive? Dis-moi, comment est-ce que c'est possible? Comment? Bébé, donc comme tu es là, tu es folle. Bébé, dis-moi, qu'est-ce que c'est ça? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas jusqu'à... Vraiment? Bébé. Oh non, putain. Dommage. Tu ne deviens pas fort. N'écoute pas ce que les gens te disent. Oh mon Dieu, tu m'as fait peur. Hey, ne penses-tu pas à ce joli bébé que tu portes? Ce bébé a besoin d'une jolie mère comme toi. Courageuse, gentille, souriante et surtout en bonne santé. Pourquoi tu veux te faire du mal? Je sais que mon bébé a besoin de moi. Ouais. Je comprends très bien. Parle-lui seul. Oui. Bébé, j'ai besoin de toi. Ton mari a besoin de toi. Et tout le monde a besoin de toi. Tu dois demeurer forte. Écoute, tu dois faire face à ce changement d'humeur inhabituel, essayant de te contrôler. Tu dois essayer de le surmonter, ok? Tout ira bien si et seulement si tu décides de faire face à la situation telle que ça se présente, tu seras guéri. Je veux dire, c'est un processus. Tout ira bien. J'espère bien. Ouais. Ok? Ne t'inquiète pas. Ok? Oh, Alain. ta femme a besoin de toi? Oncle. Ouais? Un instant. Ouais? Alain, la situation est un peu mauvaise, mais ce dont a besoin ta femme maintenant, c'est la dorloter. Tu sais, tu dois la chuchoter, tu sais, la gâter, tu vois, la dorloter. Putain, tu sais comment le faire? Endure avec elle, sois patient avec elle, dis-lui. Que tu l'aimes, que tu veux comprendre tous les changements de son humeur. Que tu ne vas plus harceler, tu seras patient avec elle. Que tu ne vas plus crier sur elle, tu sais. Et que tu seras toujours avec elle. Dis-lui à quel point tu l'aimes. Putain! Sois le garçon amusant. Écoute, accepte ses mauvaises humeurs et promets-lui que tu l'aimeras toujours, que tu ne seras plus en colère, quoi qu'elle fasse ou quoi qu'elle dise. D'accord? C'est nécessaire et neveu ce que je te dis. Plus précisément maintenant que nous l'avons mis d'humeur joyeuse, sache que le temps passe. Ah, tu m'as compris? C'est ça la vérité. Et je te jure que toi-même, tu te sentiras mieux. Tu
Tu m'as compris? Bébé, je suis très sûre que tu arranges très bien mes cheveux. Bien sûr. Tu devais commencer à le faire avant que je ne puisse sortir. Où est-il écrit que mon épouse ne doit paraître belle que quand elle veut sortir? Je veux que tu sois belle même quand tu dors. Tu ne trouves pas, chérie? Attends. Alan, es-tu en train de dire que je ne suis toujours pas belle? Suis-je fou? Ah, ah, mais tu viens de me dire que tu arranges mes cheveux parce que je ne suis pas vraiment belle. Non, j'ai plutôt dit que tu dois être belle à la maison, pas seulement quand tu dois sortir. J'ai été entendue. Tu sais quoi? Je vais ouvrir pour toi un salon de coiffure juste ici. Je te dis juste à côté, là. Et je serai ta première cliente. Et quel en sera le nom? Je peux dire, je crois, Bélane. Ça veut dire bébé et Alan. Ah non, ça ne tombe pas bien. Mon Dieu. réfléchissons d'abord. Non, Albi. Albabe. Sinon, n'est pas vraiment cool. Albabe, ok. Baby Al. Ah oui, là, tu as raison. Ta cliente préférée, là. Je suis ici pour toi. Shop de beauté, baby Al. Oui, tu as conseillé de rendre jolie tous les jours. Je suis là. Pour toujours et toujours. Bien, okay. Je peux commencer. Je suis prête. Je suis un animal. Le matin, je marche à quatre pattes. Les après-midi, je marche à deux pattes. Les soirs, je marche avec trois pattes. Attends. Quatre pieds. Le matin. Le matin. Deux pieds les après-midi. Les soirs, je suis à trois pattes. Ah. Tu sais, c'était un monstre, non? Non, il est juste à côté de toi dans cette pièce. Réfléchis bien. Chichi, es-tu un monstre? Non. Vas-y, dis-moi. Ok, attends, laisse-moi réfléchir. Ok, la réponse est dans cette pièce. Ok. Tout près de vous. Près de moi. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? Oui, la réponse est un humain. Quand vous avez dit que c'était un monstre, je crois que vous alliez dire un humain. Comment est-ce que c'est un humain? Nous sommes encore des petits-enfants, hein? Nous marchons à quatre pattes, non? Et quand nous devenons adultes, nous marchons maintenant à deux pieds. Et quand nous vieillissons, nous marchons avec un bâton. C'est ça. J'ai été entendue. Dans mon village, toi, vraiment, hein? C'est tout une le logique, vieil homme marche avec le bâton, sérieusement. C'est une bonne chose. Je ne sais pas, mais je crois que c'est la vieillesse. Ah, ok. J'ai compris ta logique. Alors, prochaine question. Je suis prête cette fois-ci. Et cette fois-ci, il y a une terre. Terre. Dans cette terre, il y a une petite rivière, une toute petite. Et dans cette rivière, il n'y a qu'un seul poisson, un très grand poisson dans toute cette rivière. Et autour de cette terre et de toute cette rivière, il y a des rochers au nombre de 32. Oui, qu'est-ce que c'est? La terre, la rivière, un grand poisson, juste en un. Et 32 rochers. C'est quoi ces 32? Vas-y, explique. Oui, c'est seulement comme ça. C'est à vous de répondre. La réponse n'est pas loin de vous. Cette fois-ci, c'est vraiment près de vous. C'est quoi encore? C'est le lustre ou quoi? Je comprends rien. Madame, mais qu'est-ce qu'il y a là? Vous ne voyez pas. Ok, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir, je t'en prie. Titi, je ne sais pas. Dis-moi. C'est très simple. Dis-moi. Ok. La réponse, c'est votre bouche. Votre bouche est... Comment? C'est terre. La rivière, c'est votre salive. Et le gros poisson, c'est votre langue. Et
Les rossiers, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? C'est quel genre de logique comme ça? Hein, dis-moi. Ce sont les dents. Nous avons 30 dents, non, madame? Donc, tu as pris tout ça chez ton grand-père? Oui, dans mon village. Chaque soir, tout le monde vient se rassembler à nous pour écouter ce que le grand-père dit. Ton grand-père est un génie. Acclame pour toi-même. Oui, Est-il toujours en vie? Non. Oh, ne sois pas triste, je suis sûre qu'il était mort à un âge très avancé, n'est-ce pas? Peut-être. Pas tu ne sois pas triste, oh. Tu ne peux pas l'être. Tu sais ce que ça va causer, non? Tu sais que pour moi, ce n'est pas vraiment très loin. Ça s'allume, ça s'éteint. Non, donc, madame. Ne sois pas triste, s'il te plaît. J'aime ça. Oh, désolée, madame, désolée. Désolée. Oh. D'accord, pas de problème. Vous aimez? Alan, tu ne peux pas partir maintenant. Pourquoi tu as réveillé, mon amour? Et maintenant que je m'intéresse à toi, soudainement ta femme a changé, vous avez trouvé une solution à tous vos problèmes. C'est quoi cette blague? N'est-ce pas que je t'avais averti de me laisser tranquille? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Les choses marchent à présent. Ma femme se comporte bien maintenant. Et qu'est-ce que j'étais pour toi? Une distraction? Une grande dame responsable comme moi est devenue une distraction pour toi? Pas question, Alan. Ta femme doit être au courant de ça. Excuse-moi. Es-tu en train de me traiter? Oh oui, Alan. C'est exactement ça. Comment est-ce que tu peux faire ça? N'est-ce pas que je t'avais dit que je n'avais pas de petite amie et que je prenais mon temps parce que je sais comment cela m'affecte émotionnellement quand je sors avec quelqu'un? Pourquoi tu fais ça? Je suis désolé, d'accord? Résolvons ce problème entre nous, s'il te plaît. N'inclus pas ma femme dans ça, je t'en supplie. Je te promets, Alan, que tu vas le regretter. Tu vas sérieusement le regretter. Tu peux t'en aller si tu as fini. Encore, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que je me suis retrouvé dans cette bêtise. Qu'en ferai-je maintenant? Tu ne savais pas. Maintenant, tu le sais. Ça, c'est une bonne leçon pour toi à prendre. Putain. Ouais. Je veux dire, maintenant, tu dois apprendre comment avoir la maîtrise de soi. Tu apprendras comment mener tes actions doucement et les coordonner bien. Et comment prendre les bonnes décisions. Tu n'aurais pas dû te précipiter. Écoute, laisse-moi te dire, tu ne peux pas faire sécher tes doigts. Tu dois apprendre comment ne pas te précipiter pour lécher ses doigts comme un poulet qui lèche ses doigts. Tu dois aller doucement, observer bien les doigts, les 5 ou les 4 doigts, pour voir là où se trouve le sel, le piment, de la sauce. Tu sais, tu prends ton temps avant de... T'as compris? Mais oncle, tu es juste en train de parler. Pourtant, j'ai besoin d'une solution. Wow. Je parle. Je parle à base d'expérience, petit neveu. T'as compris? Oncle, tu passes ton temps à me parler de l'expérience. Mais ton expérience n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de parler maintenant. Où est-ce que ton expérience m'a aidé? Nulle part! Arrête avec cette affaire de l'expérience. Hey, laisse-moi te poser une question maintenant, Alan. Si ta femme découvrait ce désordre... Écoute, plus précisément maintenant qu'elle est d'une meilleure humeur, veux-tu ruiner ce que nous avons commencé? Oncle, tu es juste en train de soulever des problèmes. Mais ce dont j'ai besoin maintenant, c'est une solution. Écoute, Alan, la seule solution que j'ai à te dire ici et maintenant est que tu iras t'agenouiller devant elle, tu lui demandes pardon, tu lui donnes des baisers partout, tu pleures devant elle comme un bébé, tu comprends ce que je dis? Et puis, tu lui donnes des baisers des pieds jusqu'à la tête. Tu lui donnes des baisers sur ses oreilles, partout sur son corps. Et puis, tu lui fais l'amour, un amour superbe. Tu
tu comprends ce que je dis, qu'elle te sente, garçon. Avant de dire au revoir, c'est la meilleure manière de dire au revoir au passé. Tu comprends ce que je dis? Quoi? Il paraît que tu n'as aucune solution pour mon problème. Je vais me débrouiller seul. Oh Dieu. $6 millions, sinon je le dirai à ta femme. Mon ami, essayes-tu de me faire chanter? Essayes-tu de me faire chanter? Oui, Alan. N'essaie surtout pas de m'énerver. Encore un autre mot venant de toi et ça va devenir 10 millions. Trouve une autre solution parce que celle-là ne marchera pas. Oui. Ah, c'est quoi ton problème? Ne fais pas comme si tu es enceinte de moi. Et est-ce qu'on a couché ensemble? Non, nous l'avons juste fait une seule fois. D'ailleurs, je ne l'avais pas fait à mon état normal ainsi que ma virilité. Hein? Mais tu vois, en tout cas, avec tout ce que tu es en train de me faire voir, tu es une sorcière. Quoi? Tu es une sorcière. Hein? Alan, c'est moi que tu appelles comme ça? Tu es pire que le diable. Tu étais venu chez moi très faible et abattu comme si tu allais mourir dans quelques instants. Or que tu ne cherchais seulement qu'à me connaître. Une fois que tu as obtenu ce que tu voulais, ta femme a soudainement changé et l'a arrêté d'être problématique, chiante et aliénée. Non, 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 n'ose plus jamais appeler ma femme problématique et aliénée encore. Non, en tout cas, je ne te le permets plus. Mais ne te comporte pas comme si nous sortons ensemble. Je ne te donnerai pas l'argent. Je ne te donnerai rien. Baby, 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 c'est une aventure. C'était une aventure, baby. Baby, c'est une aventure, il n'y a rien de sérieux. Allô? Baby. Alan? Allô? Alan? Al... Oui, ça c'est la façon dont j'ai tout perdu. Oui. Et ma femme avait donné naissance à un bébé prématuré. Oui, parce que j'avais certainement haï ma femme parce que je pensais qu'elle m'ait dérangé. Ne sachant pas que ces dérangements étaient dus à la grossesse. Et surtout, sur base de ce que tu m'as dit, tu dois comprendre que ta femme est en train de passer des moments difficiles liés à la grossesse. Et surtout, ne la déteste pas. Et surtout, montre-lui l'amour. L'affection, aime-la, achète-lui des cadeaux. Et c'est de cette façon que tu comprendras que tu auras ta femme et tout le problème intact sans que le mal ne puisse vous arriver. Ce n'est que la grossesse. Oui, c'est ce qui fait que ma femme soit folle des fois, tu vois. C'est pas oui, ça. Oui, vraiment. C'est vraiment une histoire qui vient de m'ouvrir les yeux. Oui. Tu vois pourquoi c'est beaucoup mieux de parler à un ami à qui on fait confiance au lieu de souffrir en silence. Bien sûr. Le problème, c'est qu'elle se sent un peu dérangée. Mais s'il te plaît, ne t'en fais pas. Ta femme n'est pas folle. Ta femme est normale. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. En fait, ça signifie vraiment beaucoup pour moi. Ah, ça c'est bien, oui. Quand tu finis ton travail, rentre à la maison. En route, achète-lui des biens, achète-lui des présents. Et finalement, elle va s'apaiser. Et crois-moi, je te raconte tout ça après expérience. Je suis vraiment reconnaissant pour cette histoire qui vient de m'ouvrir les yeux. J'ai vraiment apprécié. Ok, d'accord, mon frère. Oui, vraiment. Merci beaucoup. S'il te plaît, chérie. S'il te plaît, chérie. Calme-toi. Désolé. J'ai finalement compris que ce n'est pas de ta faute. J'ai eu à me confier à un ami au travail et il a eu à m'expliquer tout ce qui se passe dans notre couple. Je suis vraiment désolé pour la manière dont j'ai eu à te traiter. Je sais que ce n'est pas de ta faute. Pardonne-moi s'il te plaît. J'ai amené ça pour toi. Je l'ai fait de tout mon cœur. S'il te plaît. Oh,
Merci. Un bébé.